La construction de ce qui deviendra la cathédrale de Montréal, Santa Maria Nuova, commence dans les années 1172-76 et elle est commanditée par un Normand, Guillaume II le Bon. Mais si l'architecte vient du Nord, les artisans siciliens de l'époque viennent d'Orient. Byzantins et Arabes se disputeront chaque centimètre du mur, plafond, arcade ou colonne, qu'ils vont couvrir d'un réseau de 10 000 mètres carrés de mosaïques bleues et or. Décoration, embellissement et restauration se poursuivront jusqu'en 1838.
Le cloître est tout ce qui reste du monastère bénédictin qui fut achevé au XIIIe siècle. Les colonnes de style normand sont décorées dans le style roman italien. Les chapiteaux sont bien plus exotiques, style corinthien, style composite, scènes païennes mêlées aux scènes de l'Ancien Testament. Et la fontaine du roi chante doucement à l'angle du petit cloître.